Hey yo les potes, c'est Alex, bienvenue sur la chaîne Option Gaming. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le gameplay sur le compte de Karma. Vous le connaissez, mon poteau, qui lui a le porc épique et le mastodon. Donc les amis, on va faire un petit gameplay sur ce compte pour se préparer un petit peu au mastodon et au porc épique. Parce que comme vous le savez, mon dernier compte monte au niveau 33. Prochain niveau, je vais pouvoir m'acheter le porc épique et le mastodon. Donc on va déjà se donner une première petite impression de ces armes là. On va se faire plaisir, on va voir ce que ça donne. On va faire 3 gameplays ensemble. Et puis ensuite je vous ferai un petit fact you didn't know. Et puis il y a des news sur la page Facebook de Guns of Boom. Donc je vous montrerai tout ça. Sans plus tarder les potes, on y va direct pour une partie. Donc ça fait très 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 longtemps que j'ai pas joué sur son compte. Donc j'ai pas tâté du porc épique et du mastodon. Donc là on va jouer dans la cour des grands, ça va faire bizarre. On va essayer de se dépatouiller du mieux qu'on peut. Let's go. Vous l'entendez, cette nouvelle musique dans le fond. Cette nouvelle musique, je pense que vous l'avez déjà remarqué les potes, c'est un indice sur le prochain event. Je vous en parle tout à l'heure, vous allez voir. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Je pense qu'on va se faire clairement plaisir. Ok, j'ai pas la précision avec cette arme. Je crois qu'il faut utiliser le viseur avec cette arme, c'est mieux. Pas encore trop la maîtrise de cette arme là. Ok, let's go. Je sais pas d'où ça me vise, je comprends pas trop. Hop là. On a quand même réussi à choper un kill. Donc là vraiment j'ai pas du tout l'habitude de jouer ces armes là. Ça fait vraiment bizarre de reprendre un petit peu ce système là. Donc autant de destructeurs, il faut la jouer plutôt sans le viseur. Je crois que plutôt celui là par contre il faut utiliser le viseur, ouais. Il est assez précis. Hop là, le kill il est fait. Par contre, je manque de portée là, sur ce mouvement-là. On va laisser prendre notre allié. Voilà, là, on est bon. Ok, on va aller chercher. Il y a un moment où ça devient un peu long. Ah, mince. Ok, on se fait un petit peu carré cette game. On a quand même 2 kills. On va essayer de se rattraper au niveau du score. Mais en tout cas, la partie, elle semble gagner. Et ça fait plaisir. Là, on est loin. La portée est vraiment basse, hein, du mastodon, hein, à savoir. Beaucoup plus basse que celle du destructeur. Regarde-moi ça, c'est une catastrophe. Hop là. Par contre les dégâts ils sont là, il n'y a rien à dire. Hop là. Hop là, faut s'habituer à la cadence du tir également de ce fameux porc épique. Vous le savez. Hop là. Ouh, j'ai cru que le kill était fait. Voilà. Bon, ce sont nos âmes qui sont surpuissantes bien entendu, mais il faut vraiment se réhabituer à ce type de gameplay quoi. Hop là, on n'avait pas assez de points de vie. Let's go, on est reparti. 500 à 160, hein, donc cette partie, elle est clairement gagnée. Je pense qu'on est avec une équipe plutôt correcte, ou du moins les gens en face sont pas très forts. Parce que bon, c'est pas nous qui non plus avons fait le carry. Hein. On a joué correctement, mais voilà, sans plus. Hop là, ça passe. Donc vous voyez hein, le mastodon qui envoie des rafales de 3 balles. C'est son principe à lui. Les gars qui sont vraiment au rendez-vous hein, avec cette arme. Hop là. Et donc l'intérêt de cette arme c'est qu'on peut vraiment manier le zigzag à la perfection. Parce qu'en fait vu que c'est par rafale de 3, on peut bouger et en même temps envoyer ses petites rafales. C'est assez intéressant. C'est juste là que ça se passe. Oh là, on va y passer par contre. On va y passer. On se classe deuxième. Je sais pas comment avec un tel nombre de kills. Je pense que j'ai pas beaucoup capturé le point, faut dire. Déjà, j'en mets premier sur les kills, mais c'est pas nous qui nous mettons first sur la partie. Voilà, par contre, on va prendre vraiment tarif. Hein. On est dans la lignée. Hop, hop là. Voilà, là, on n'a pas joué spécialement bien. On y allait un peu à la bourrin. Boum, dommage. Pas eu le temps. Hop là. Vous voyez comme quoi très très important d'avoir les armes qui sont... Enfin de s'habituer à ces armes, du moins de prendre le temps de les pratiquer. Parce que là vous voyez, j'ai des armes qui sont extrêmement fortes, mais je les maîtrise pas quoi. Donc c'est très important de s'entraîner à maîtriser ces armes. Là on est sur le triplé. Hop là. Et la killing spree. Ça aurait presque pu compter comme un quadra. Si voilà, le quadra il est là. Je me disais merde. On va attendre que ça repop tout gentiment. Et là on va pouvoir y aller. Ouais, le timing c'est très très important également. Hop là, il y passe. Dommage, je l'avais vu celui-là, j'ai pas eu le temps d'aller le récolter. Donc voilà, première partie,
un bon gros massacre, 14 kills, 3 assists, magnifique, on se passe premier. C'est vraiment un vrai plaisir de jouer avec ces armes-là, mais comme je vous dis, il faut le temps de s'y habituer. Donc voilà, écoutez bien cette musique, les gars. C'est un indice sur le prochain event qui va venir, et on va en parler tout de suite. Et voilà les potes, comme je vous le disais, un nouvel event va arriver, le Lunar Festival. Donc ça va être un event comme d'habitude, vous savez, on va avoir des quêtes à faire, probablement journalières, avec des défis. Et pour pouvoir gagner au bout de ça des skins, un peu comme ils avaient fait donc pour Noël et comme ils avaient fait pour Halloween. Et donc là, en fait, on est sur le festival chinois, un petit peu comme le Nouvel An chinois, je pense. Je sais pas trop à quoi ils font référence, peut-être que c'est le Nouvel An chinois, effectivement, mais... voilà, j'y connais pas grand chose, donc du coup, on va pouvoir débloquer a priori un skin de dragon. Donc je suppose que c'est ce genre de skin là, entre autres. Et pour ce faire, il va falloir remporter des défis basés sur le skill. Donc voilà, un peu plus de détails, ils disent seulement, donc il va falloir réaliser une série de challenges hardcore. Seuls les plus skillés, donc les combattants les plus compétents seront capables de les accomplir et d'avoir le skin du dragon, du guerrier dragon unique. Donc voilà, ça va être je pense une série de défis pour gagner ce skin. Et donc les amis, on en profite d'être sur la page Facebook de Guns of Boom pour faire un petit fact you didn't know. Alors ne vous attendez pas à un truc de fou cette fois-ci, ils nous ont fait un fact you didn't know sur le vipère. Donc voilà, c'est juste histoire d'être sûr qu'on passe à côté de rien du tout. Mais c'est une arme qui, je vous le déconseille très fortement puisqu'elle coûte très cher et elle est franchement pas efficace. Mais on va quand même un petit peu s'attarder sur cette arme et voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Donc déjà, on a un chargeur de 10 pour un sniper, c'est plus que correct. Une puissance qui semble relativement correcte sur le chiffre, mais c'est largement en dessous de beaucoup beaucoup de fusils sniper. Une portée de 42, et ça c'est un grand point fort, la portée elle est très 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 élevée, 42 c'est l'une des plus fortes, avec une précision redoutable de 85. On va voir ce qu'ils nous disent un petit peu là-dessus. Donc comme vous le savez, la vipère c'est ce sniper qui permet de se régénérer, et c'est en gros le gros point fort qu'ils veulent mettre en avant sur cette arme. Donc quand vous faites un hit, donc que vous posez une balle sur l'ennemi, ça va vous redonner des quelques points de vie de manière instantanée et vous régénérez d'autres points de vie sur les 3 secondes sous forme de dot. Un petit peu comme quand on fait un kill avec un remède, on gagne de la vie pop, 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 sur les secondes qui suivent, comme le Volvie également. Ça n'affecte pas le cooldown des medikits, hein, donc vous pouvez coupler ce soin avec le soin des medikits, et en gros c'est ce qui... Ils disent que ce double soin peut être très 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 efficace en jeu. Avec une portée donc de 42 mètres, ce qui est très très fort, avec des balles qui sont en dégâts maximum des 3 mètres. C'est-à-dire que même si vous tapez au corps à corps limite avec votre sniper, vous ferez vos dégâts maximum. Et ça peut être assez sympa. On l'avait vu avec le Thanatos, hein. Il faut une dizaine de mètres à peu près, sinon les dégâts sont divisés par 2. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ils disent effectivement que les dégâts sont plutôt en dessous de la plupart des snipers. Mais le fait qu'il soigne le rend quand même intéressant. Il a 20 balles dans son magazine. C'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour se restaurer beaucoup de points de vie. Donc voilà, eux, ils mettent vraiment ça sur la restauration de vie, le healing. Franchement, pour moi, c'est vraiment pas, je reviens là-dessus, pas un bon sniper. Pourquoi ? Il a très peu de dégâts. Le healing, c'est pas spécialement super intéressant dans Guns of Boom. Comme je vous l'ai dit, hein, tout ce qui est Volvi, tout ce qui est remède, je vous le déconseille. Et puis donc voilà, les dégâts qui seront largement en dessous, vous n'arriverez pas à faire du score et des kills avec ce type d'arme, et en plus ça coûte énormément de gold. On se retrouve tout de suite les potes pour les deux derniers gameplays. Et on est reparti les potes avec le compte de Karma, Mastodon, Porc Épique. On va envoyer du très 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 gros dégâts. On se prépare pour notre passage au niveau 34 sur le petit compte, où je me le répète, on va rush directement les gars, le Porc Épique et le Mastodon. Là je vous dis, on va vraiment rentrer dans un autre leveling, on va vraiment, vraiment tout poutrer, les gars. Donc, sur le petit compte, de sûr, je vais m'acheter le porc épique. Le mastodon, j'hésite encore un petit peu. Parce que, franchement, bon, il est fort. Mais je vous avoue que le destructeur est également très, très, très... Il a ses points forts aussi. Donc, le mastodon est plus fort que le destructeur. Hein, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais je parle juste de bénéfices. Franchement, le coût de l'arme, est-ce qu'il il vaut vraiment son intérêt en jeu? À voir. Mais je pense que de toute façon, le mastodon reste quand même beaucoup plus puissant. Il suffit de s'habituer à la rafale de 3. Et comme je vous dis, une fois qu'on est habitué à la rafale de 3, regardez, on peut faire une rafale de 3, se cacher, refaire une rafale de 3. Et je pense que c'est comme ça qu'on tire le plein potentiel de cette arme. Donc elle reste à mon avis très efficace.
Gros point faible, par contre, c'est sa portée, les amis. Hein. Hop là, on va faire un peu de Porky Pig. Voilà, on est trop loin. Toi, t'es mort. Hop là, c'était facile. Oh, il y en a un autre, je me disais bien. Boum. Boum. Ah, le Porky Pig, par contre, c'est un plaisir. Hein. C'est réellement un plaisir. On se passe largement premier avec 4 kills d'entrée de jeu. Hop là, on est reparti. Par contre, les points capturés, donc il va falloir qu'on soit très vigilant là-dessus. Hop là, on switch, fusil à pompe. Hop là, hop là. Magnifique. Ouh, ça c'est pas bon du tout. Ouais, ça c'était pas bon du tout. Qu'est-ce qu'il a en... Ah oui, il a le Jack Frost, bien entendu. Hop là. Où est-ce qu'il est ? Je crois qu'il y avait un ennemi, en fait il n'y a personne. Hop là. Dommage. On va les récupérer là. Ça c'était obvious, hein. Je savais qu'il serait là. Hop là, dommage. Bah lui il a aucune chance, hein. Avec son petit castagneur, à part nous faire rater des balles, il fera pas grand chose. Le point est capturé, ça capture le B, on va pouvoir aller récupérer le kill. Hop là. Assez facilement. On reste sur le qui-vive. Et là, je me suis mis du mauvais côté. Ouf. Hop là, dommage. Dommage, dommage. Je pense qu'on se classe toujours premier. Par contre, voilà, là, on est en train de perdre cette game. Donc, il faut absolument qu'on se rattrape. Il faut qu'on donne tout, là. Hop là, là, on a récupéré le kill facilement. Attention. Ouais, ça va être compliqué, là. Allez, je veux absolument le kill, mais je crois que j'aurais mieux dû, ouais, j'aurais vraiment mieux dû me retourner. Je me suis fait avoir, il avait un traître en face. J'ai joué vraiment sans trop réfléchir, et là, c'est ce qui m'a été fatal. Ouf. Ouais, ça c'est chaud, ok c'est chaud. On se casse pas parfaitement premier, ça c'est pas cool du tout, on va essayer de se rattraper. On va essayer de se rattraper. Au moins ne pas faire perdre des trophées à notre poteau Karma, quoi. Ok, ça, ça capture. Je me disais bien que je l'avais vu. Voilà, ça s'est récupéré. Et hop là, là on est bien. Là, on aimerait bien mettre des têtes un petit peu. Hop là. Allez, on a seulement fait un doublé. Ça par contre, ça nous permet de se reclasser premier et cette partie... Elle est perdue, malheureusement. On va essayer de conserver une classe premier en reprenant un dernier petit kill. Celui-là, c'est possible. Voilà, sans souci. Il y en a un derrière, il y en a même deux. Attention. Hop là. Ah non, oui, c'est bon. On est sauvé par le gong parce que là, on n'aurait pas eu le doublé. Donc c'est parfait. On se classe premier sur cette partie, malheureusement. C'est une défaite. On va enchaîner tout de suite. Donc franchement, on se fait vite la main. Hein. Je crois que... sur ce mastodon, c'est vraiment une histoire de bien gérer les rafales de 3. Une rafale, un mouvement, une rafale, un mouvement. Je pense qu'il faut vraiment se la jouer comme ça. C'est du coup, entre guillemets, on pourrait dire le point négatif de l'arme, mais finalement son point fort, je pense, une fois qu'on arrive à bien le maîtriser. Et pour ce qui est du Porky Pig, il faut juste s'habituer à sa cadence de tir élevée et gérer le focus par rapport à ça. Donc là on arrive sur une partie déjà en cours. Si on va pas se faire repérer. Hop là, ça c'est le doublé. Ou pas. Et si ça passe. Petit doublé, on était face à un autre Porky Pig et ça je l'avais pas vu de dos. C'est pour ça qu'à la fin je me suis dit, ça se trouve on n'aura pas le doublé. Ça c'est bon ça. Attention à être bien placé, à la bonne portée. Pour nous, hop là, hop là. On n'en fera pas plus. Bon, on a été tué par un fossoyeur. Ça, c'est difficile, ça. Hop là, let's go. Le petit skin tigre, hein, qui est assez sympa sur ce mastodon. Moi, je valide, clairement. Ah, les gros dégâts, là. Oh là là, sur la tête, les dégâts, ils sont là. Oh là là, là, il n'y a rien à dire. Les dégâts sur la tête, les gars, avec cette arme, oh là là, ils sont extraordinaires. On va attendre gentiment là, voilà, ça repop. On va pouvoir récupérer ça ou pas. Il a bien switch, GG à lui. Ghost 12. Ok.
Hop là, on va venir récupérer ça juste là. La collègue a récupéré notre place. Voilà. Là, je pense qu'on va être loin. Ouais, on n'aura pas. J'ai dévisé quand il ne fallait pas. Attention, ça risque d'arriver juste là. Voilà. Hop là, on récupère facilement. Bon petit coup de porc épic. Ça passe. Où est l'ennemi? Il est là. Ouh là, bah là par contre. Par contre là, il y a du monde. Comme d'habitude, la malédiction du message, vous connaissez les potes. Toujours un message lorsqu'on est en pleine vidéo. Hop là. Attention. Raté. À ce niveau là, je pense que le Thanatos, hein, il s'essouffle un peu. Hein. Mais là, j'avoue que c'est plutôt une bonne situation pour l'utiliser. Là, juste là, magnifique. Allez, ressors de là, s'il te plaît. J'ai pas envie de t'attendre pendant une heure. Ouh là là, il y a du monde. Ok, d'accord, ils sont tous en position. Ça va pas être facile d'aller les déloger là, mais on va tenter quelque chose. Oh bah, il y a déjà eu 2 kills de notre partie, donc je pense que ça y est, ils ont été délogés. Pourtant, ils étaient bien en formation, les gars, là, ils rigolaient pas. Ouh. Ah non, pas cool, bon, bah, ça c'est mort, hein, les gars, hein, quand vous faites un truc pareil. Oh, qu'est-ce qu'il est mauvais. Oh, qu'est-ce qu'il était mauvais en face de nous. Je comprends pas comment il a pas réussi à prendre le kill là-dessus. Il a tout mis à côté avec son... avec son Cerbère, hein. Là, on avait le bon exemple du Cerbère, hein, les gars. On avait le bon exemple de pourquoi je déconseille le Cerbère. Hein. Hop là, le duel porc épique, il est perdu malheureusement. Et donc voilà, on termine là-dessus. On s'est pas classé premier sur cette partie, mais franchement, on se débrouille plutôt bien avec ce porc épique mastodon. Voilà, c'est juste avec une question de pratique. Et je pense que sur une fois que je l'aurai acheté sur les prochaines games, on va vraiment, vraiment envoyer du lourd. C'était un très, très bon présage de l'avenir, les potes. Je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.